Il a été affirmé lors d'un récent congrès médical qu'une des visions les plus relaxantes, outre celle d'un pré fleuri de montagne ou d'un vol de mouette, est celui d'un skieur sur l'eau. Observer les évolutions légères dans le sillage d'un canot automobile, la danse simple, presque un jeu sur les vagues, fait s'alterner les inquiétudes et les préoccupations et naître le désir de paix et de tranquillité. Tout semble plus doux et serein. Cette skieuse est l'italienne Silvia Terracciano, championne européenne 1977 de slalom. Elle ne participe pas en ce moment à une compétition. Elle se contente de s'entraîner sur le plan d'eau de l'Idroscalo de Milan, où se sont déroulés les 15e championnats du monde de ski nautique du 29 août au 4 septembre 1977. L'histoire d'une manifestation mondiale comme celle-ci est simple mais intéressante. Tout commence en sourdine, sans clameur. Le public est tellement différent de celui des autres sports où le fanatisme sportif s'exprime par des cortèges, des slogans, de grands drapeaux et des banderoles. Ici, les gens attendent le début des épreuves en employant leur temps à des choses simples. Jeu tranquille, la pêche pour les plus patients, un tour pour voir de près les équipements des athlètes. Un peu de shopping pour acheter quelques souvenirs à montrer aux amis une fois rentré chez soi. Maillot, coiffure ou timbre-poste pour les passionnés de philatélie. Il est ouvert pour toute éventualité une banque mobile avec des guichets qui permettent de procéder à quelques opérations financières. Les athlètes vivent mêlés au public. Ils observent avec une plus grande compétence les équipements techniques exposés. Ils se renseignent sur les toutes dernières nouveautés. Ce canot automobile n'a pas besoin de pilote. Le skieur peut s'entraîner en le conduisant tout seul et en réglant la vitesse et la direction à l'aide de deux poignées. On fait les premières rencontres. On lit les premières amitiés. En attendant les compétitions, les photographes travaillent sur le vif. Dieu seul sait ce qu'il a trouvé, celui-là. Il doit avoir vu quelque chose de vraiment exceptionnel. En effet, c'est vrai. C'est une jeune fille qui vient des États-Unis. Observez-la bien, parce que nous la retrouverons encore. Le premier jour officiel, quand tout le monde est arrivé, est celui de la présentation des équipes. 30 nations sont représentées, en commençant par l'Afrique du Sud et l'Allemagne, pour finir par le Venezuela et la Yougoslavie qui clôturent l'ordre alphabétique. Il y a plus de 100 athlètes. Ils sont divisés dans les deux catégories hommes et femmes. En tout, plus de 70 garçons et environ 35 jeunes femmes. La jeune américaine de 17 ans, qui a tellement envie de sourire, est désormais le point de mire de tous les objectifs des photographes et des caméramans. Elle s'appelle Camille Duval. On l'a dit très habile. Nous le verrons. Après la présentation des équipes, il n'y a guère plus de temps pour le shopping et pour les bavardages. C'est le moment pour commencer les entraînements sur le plan d'eau, à quelques heures à peine du début du championnat du monde. C'est une phase très délicate. Il faut contrôler le ski dans ses moindres détails. La dérive, les attaches. Tout doit être parfaitement au point. Il est inconcevable de risquer de perdre un titre pour une simple distraction. Dans une compétition, il peut y avoir des imprévus. Mais avant de partir, il faut que l'équipement soit parfaitement au point. Notre amie Camille n'est pas très pressée de commencer pour le moment. Elle jouit du soleil italien et regarde autour d'elle pour prendre le vent de ses championnats. Le plan d'eau de l'Idroscalo de Milan est en excellente condition. Seul un très léger souffle de vent rend la surface opaque. Quant au reste,
Les conditions de milieu sont les plus souhaitables pour un entraînement sérieux. Le ski nautique est un sport élégant, mais cependant très astreignant. Massage et exercice à terre sont très utiles pour affronter les essais sur l'eau. Après chaque entraînement, athlètes et techniciens se réunissent pour d'éventuels conseils et corrections. L'arrivée à quai, par contre, est un exercice à part, que chacun effectue à sa façon. Cette technique d'arrivée est à déconseiller pour celui qui n'a pas fait son service militaire dans les parachutistes. Pour les femmes, il ne manque pas une note de coquetterie dans le choix des accessoires prévus par le règlement. Il en est de même pour le casque. Camille Duval sait que ses cheveux sont trop beaux pour être cachés. Elle juge important d'effectuer quelques exercices à terre avant de descendre à l'eau. Nous sommes désormais à la veille des compétitions. On va sur l'eau pour l'épreuve générale. Et voici le jour fatidique. Nous commençons les épreuves officielles du championnat du monde. Désormais, il est interdit de commettre des erreurs. Celui qui se trompe ne peut plus y remédier. Il y a des médailles en jeu pour les trois spécialités. Le slalom, les figures et le saut. Le slalom est la discipline la plus courante et, sous certains aspects, la moins difficile. Le record du monde appartient à l'Américain Bob Lapointe qui a passé 4 bouées avec une corde à 11,25 m. À la fin de cette édition des championnats, Bob Lapointe s'est encore adjugé la médaille d'or ayant battu l'Anglais Hazelwood, médaille d'argent, et le Belge Detelder, bronze. Le slalom exige une structure musculaire élevée et une grande puissance sur les deux bras. Bob Lapointe est né le 25 mai 1955 en Californie et a commencé à skier à 5 ans. Robbie Zucchi ayant abandonné le sport de compétition, les Italiens n'ont pas de possibilité d'entrer dans le cercle des médailles. Marco Merlo, Lino Cazzaniga et Mario Savoini ont devant eux de nombreux athlètes en mesure de les dépasser. Chez les femmes, Cindy Todd, record woman du monde, n'a pas d'adversaire. Née le 26 avril 1956 dans l'Ohio, l'Américaine gagne en effet la médaille d'or devant la Canadienne Messner et l'Australienne Burton. Pour Silvia Terracciano, une honorable 4e place qui la qualifie première des Européennes et confirme le rôle de championne continentale. Camille Duval a préparé cette compétition dans ses moindres détails. Elle est extrêmement concentrée avant l'épreuve. Sur l'eau, les choses se passent assez bien, mais pas comme elle l'aurait désiré. Le jury lui décerne la 6e place. Après le slalom, les figures.
une des spécialités où il est fondamental d'être agile et d'avoir des réflexes rapides. Le recordman du monde, l'américain Russ Stifler, possède un record de 6560 points. La compétition est difficile et enthousiasmante. Le vainqueur du championnat mondial 1977 est le favori, un jeune vénézuélien de 18 ans, Carlos Luis Suarez. Il précède le britannique Hazelwood et le tchécoslovaque Steino. Suarez améliore également le record mondial avec 7080 points dans la finale. Un mur considéré infranchissable. Chez les femmes, tous les pronostics sont pour Maria Vittoria Carrasco, dont la plus forte rivale est sa sœur, Maria Esperanza. Le pronostic est confirmé. Maria Vittoria offre à ses supporters, arrivés du Venezuela et au public, une épreuve exceptionnelle. Elle améliore son propre record mondial de 110 points et porte le nouveau record à 5570 points. Donc, médaille d'or à Maria Vittoria, argent pour Maria Esperanza. Pour la médaille de bronze, lutte acharnée entre les Américaines Cindy Todd et Camille Duval. Cette fois-ci, Camille est meilleure que sa compatriote et réussit à s'adjuger la troisième médaille. Son désir de sourire pour la joie du succès est encore plus grande. Et, pour la joie de tous, grand final avec le corps de ballet. Est l'épreuve la plus spectaculaire des championnats du monde. En vol au-delà de 50 mètres. Le record du monde appartient à l'américain Wayne Grimdich avec 54 mètres 85. You're fighting my love now, and that's not too cool. Baby, baby, baby. If you think you don't love me, you're playing again now. That's not very true. Tout le public suit le nez en l'air les épreuves de ses descendants d'Icar. L'Américain Soyder Hood les bat tous en finale et remporte la médaille d'or devant l'Australien Thurlow et l'Américain Bob Lapointe. My love and life for you is here to stay. Baby, darling. Chez les femmes, aucune surprise. L'Américaine Linda Giddens, record woman du monde, n'a aucune difficulté à dépasser ses deux compatriotes Cindy Todd et Camille Duval. Very true.
les drapeaux se hissent une dernière fois pour saluer la clôture de ces championnats du monde 1977 de ski nautique. No, it's easy.